Bénis le nom du Seigneur, ça. Alléluia. Gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Merci Seigneur, toi qui as vaincu la mort, les ténèbres, l'enfer, Seigneur, et qui nous a donné la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être béni, d'être glorifié, d'être acclamé. Car c'est aujourd'hui devant toi encore, Seigneur, chaque jour de nos vies. Devant ta face, Seigneur, il y a d'abondance, joie, Seigneur. Et à ta droite des délices éternels, c'est toi qui nous apprends, Seigneur, à marcher sur les sentiers de la vie. À reconnaître, Seigneur, ton joug dans nos vies qui est léger, Seigneur. Reconnaître tes instructions, mon Dieu. C'est pour cela que nous voulons encore ce matin les reconnaître, mon Dieu. Toi qui crées, Seigneur, qui donne, Seigneur, la prospérité, qui crée l'adversité, qui fait descendre dans le séjour des morts, remonter du séjour des morts. Toi qui blesse, qui guérit, toi qui restitue les rois, Seigneur, les destitue, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses quand tu es assis sur ton trône de gloire. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons. Nous te bénissons ce matin avec nos cœurs, avec des ornements sacrés, comme dit ta parole, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, te donner, Seigneur, ce matin, le soin de gérer nos cœurs, mon Dieu, nos pensées, notre entendement, Seigneur, par le renouvellement, dans l'intelligence, l'esprit de notre intelligence, par ta parole ce matin, qui sera prêchée, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, merci d'être ton instrument. Je te demande, Seigneur, cette grâce encore, afin que ton onction de ton esprit repose et m'assiste pleinement, Seigneur. Merci, mon Dieu. Console, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être consolés, Seigneur, par toi, ce matin, par ta parole. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés par ta parole, ce matin. Restaure, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être restaurés par ta parole, ce matin. Car ta parole, elle a la vertu pour toutes choses, Seigneur, qu'il vienne de ta source, la source du salut, donc que toi-même es l'auteur, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Je lis ce matin dans ce lieu tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil. Je les chasse ce matin loin dans ce lieu, loin dans les vies, dans les pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Esprit Saint, l'Esprit de grâce, de conseil, de sagesse, de connaissance et de force, repose et nous assiste, chacun de nous, du plus petit au plus grand. Sois glorifié, Père, dans le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et te remercions. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Bonjour, frères et sœurs. Tous ceux et celles que je n'ai pas voyés, pleinement bénis ce matin. Amen. Donc, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, qui sont toutes pures, pas certaines, mais toutes, elles sont pures, éprouvées comme l'argent sur terre au creuset, et cette fois épurées. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. C'est pour cela la Bible dit qu'on ne doit ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit. Car la parole de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Donc, je vais vous demander pour continuer de reprendre le passage de Romains 7, le chapitre 7. Romains chapitre 7. Amen. Donc, au verset 5, Paul qui dit aux chrétiens qui nous parlent ce matin également, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, voyez, les fruits de la chair, c'est précisé, c'est la mort.
et il n'y a pas de vie. Quand nous marchons selon la chair, dans la chair, l'aboutissement, c'est la mort éternelle. Donc, je le répète, c'est pour cela que Dieu veut que chaque chrétien, pour faire mourir les désirs, les tendances, les convoitises de la chair, doit porter chaque jour sa croix avec lui. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut crucifier la chair. Car au début, Dieu n'avait pas fait l'homme avec cela. Amen. Je parle bien par la partie mot du corps, mais la partie le système. Alléluia. Donc je disais, nous sommes arrêtés là dimanche dernier, donc je disais dans ce verset, ce n'est pas dans une réalité physique qu'elle a été évoquée dans cette expression-là. Paul écrit à ses lecteurs, cependant vivant encore dans le corps physique, il dit, vous n'êtes pas dans la chair. Donc être dans la chair, c'est vivre sous la domination de ce que le verset 5 de ce chapitre appelle les passions des péchés. C'est ça, vivre dans la chair. Alléluia. Et comme je l'ai précisé, le génitif dans le grec, dans la chair, ce génitif est instrumental et non locatif. Pour bien cibler que Paul ne parle pas du corps physique. Alléluia. Ce n'est pas un génitif locatif, mais instrumental. Ça se précise bien que Paul ne faisait pas allusion à la partie du corps, alléluia, qu'on appelle notre chair, alléluia. Mais l'autre mot chair habite bien dans la chair. Ils sont confondus parce que c'est là que le péché est rentré et nos membres sont mis à la disposition pour agir en fonction d'eux. Lorsque nous les permettrons au diable de manipuler et d'orienter nos vies, œuvrer à travers la loi qu'il a mise dans le corps de l'homme, que nous avions vu dans Romains, la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc nous avions vu toute vie a des lois. Et il n'y a pas de vie sans loi. Donc pour faire mourir cette tendance, il suffit de ne pas obéir à ces lois. Comme ça, nous n'allons pas donner vie à ce principe qui a été élaboré par le diable dans nos corps et dans nos membres, qu'on appelle la chair. Donc j'indique, il indique le mode d'existence et non le lieu. L'explication du contraste qu'on vient d'affirmer rappelle que le mot chair désigne la condition de l'homme dans son hostilité à Dieu. Amen. L'homme dans la chair manifeste la pente nécessaire de la nature par son refus constant d'obéir à la loi de Dieu. Donc c'est pour cela, je disais que lorsque le péché entra dans notre corps, ce dernier subit une transmutation. Amen. Parce que Dieu avait créé l'homme à la base. Bon. Amen. Il n'y avait encore ni la loi du péché, ni de la mort qui existait dans notre corps. Le système que Paul nous demande de détruire, de crucifier le mot chair n'existait pas encore. Amen. Tout ce que Dieu avait fait dans l'homme était bon. C'est le diable qui a corrompu la nature humaine que Dieu avait faite. Donc, l'homme, le corps de l'homme subit une transmutation, un changement de nature et devint chair. C'est à partir de ce moment que ce mot système chair est rentré dans l'homme, le jour qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu du bien et du mal. Et à partir de ce moment, l'homme, irrégénéré, décide et choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mal pour lui. Et l'abbé dit que bien souvent, nous appelons le mal bien et le bien mal. Parce que c'est venu par la nature du diable qui est venu dans notre corps en mangeant le fruit défendu que Dieu avait interdit. Alléluia. Dieu a mis la loi du bien dans l'homme. C'est un fait. Et chaque personne qui naît au monde vient avec cette loi innée en elle. C'est ce que Paul nous a montré dans le livre de Romains, chapitre 7. C'est la loi de l'entendement.
Alléluia. Toute personne qui naît, qu'il soit chrétien ou pas, de toute façon, on n'est pas chrétien. On devient chrétien. Même si ton père, ta mère est chrétien, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Ce n'est pas un cadeau que Dieu fait systématiquement. Alléluia. Tu dois devenir chrétien. Et ce n'est ni ton père, ta mère qui est chrétien qui va te sauver. Quand tu viens au monde, si tu ne te donnes pas et ne te convertis pas. Tu dois devenir chrétien. On ne naît pas chrétien. Contrairement à beaucoup de pensent que lorsque nous sommes dans une famille chrétienne, nous sommes systématiquement chrétiens. Non. La Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Donc à la base, Dieu a mis dans l'homme ce qu'on appelle la loi de l'entendement qui est bon. Amen. Mais en plus de ça, il y a la loi du péché et de la mort qui est rentrée par le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et c'est pour cela que cette loi empêche à notre entendement de faire le bien que nous voulons parfois, obéir à Dieu que Paul a vu, mais cette loi qui est attachée dans sa chair motive ses membres et lui fait pécher quand même. Et je disais que si quelqu'un n'est pas converti, il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne pourra jamais contrecarrer la nature de la chair en lui. Et c'est pour cela, comprenez pourquoi Dieu dit, il faut tout homme naître de nouveau pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne pourrons jamais triompher le désir de la chair et faire le bien dans que Dieu a mis en nous d'une manière innée dans notre âme, l'entendement, la loi de l'entendement. Alléluia. Donc je répète, il y a trois lois qui régissent nos vies. En tant que chrétien, il y a la loi de l'entendement, alléluia, qui vient de la base Adam, dans mon âme. Et il y a la loi du péché de la mort qui vient du diable, qui est dans notre nature et qui motive nos membres, qui est dans notre corps. Et il y a la loi de l'esprit de vie qui est dans mon esprit et dans ton esprit. Nous avons ces trois lois. Alléluia. Le monde qui n'a pas l'esprit de Dieu, ils n'ont que deux lois, la loi de l'entendement et la loi du péché de la mort. Alléluia. Ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie. Il faut que Dieu le mette lorsque l'esprit de Dieu vient. Amen. Donc comprenons bien ce fait. Pour bien comprendre comment diriger nos vies et lorsque nous sommes dans le combat, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Parce que je pense que cet enseignement est salutaire pour nous, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont les enseignés que lorsqu'ils sont au Seigneur Jésus, ils ne peuvent jamais pécher, ils ne peuvent jamais être tentés, que s'ils sont, ils pêchent, ils tentent, ça ne vient pas de la nature. Plutôt, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Non, c'est faux. Et bien souvent, ces chrétiens se découragent, sont découragés, démoralisés et disent « à fond, fausse conversion ». Non, tu n'as pas fait une fausse conversion. C'est qu'on ne t'a pas appris les choses, les principes qui régissent ta vie. Tu es un jardin d'Éden en miniature. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc maintenant, cette chair maintenant menace et de dominer notre âme. Maintenant, au même titre que l'esprit devient la base à partir de laquelle Dieu peut se propager en nous également, à travers notre esprit. Le même principe s'applique à notre corps corrompu à la base. La chair affectée par Satan devient le tremplin à partir duquel il peut réaliser son œuvre diabolique. C'est pour ça l'apôtre Jacques dit aux chrétiens que parfois, lorsque nous avons une fausse sagesse, c'est diabolique, terrestre et charnel. Amen. Satan prend place dans la chair afin d'influencer l'âme. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a influencé à la base l'âme, la personnalité. Il a vu, il a ressenti, il a réfléchi. Et ça a enfanté un bébé qu'on appelle le péché. Comme nous l'avons vu dans l'épître de Jacques. Donc en concluant bien ces différents termes, l'âme fut créée par Dieu, mais menacée et infectée par la chair. Elle devient le moi. C'est à ce moment que l'âme est devenue le moi. Alléluia. Tant que Dieu parlait à Adam et Ève, ils obéissaient.
Mais du moment qu'ils ont accepté de suivre la voie du diable, comme je vous disais que les deux arbres représentaient la vie de Dieu ou la vie du diable, du moment qu'ils ont accepté de suivre la vie du diable à travers le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, automatiquement, il y a le moi qui est entré. Alléluia. Et ce moi maintenant, c'est lui qui répond aux injonctions, aux impulsions de ce système irrégénéré qu'on appelle la chair. Amen. Et l'homme maintenant, Adam, adamique, maintenant agit en fonction de cette loi et de cette motivation de son âme qu'on appelle maintenant le vieil homme. Et c'est ce que Dieu veut que nous crucifions, le vieil homme. Alléluia. C'est celui qui est motivé par l'âme, qui est le moi. Je disais dimanche que ça veut dire que quand Dieu nous dit, celui qui agit par le moi, il dit, moi je fais comme ça. J'avais l'habitude de faire comme ça, je fais comme ça. Celui qui agit par l'esprit, par l'homme nouveau, dit, Dieu a dit, je dis comme ça. Dieu a fait, je fais comme ça. Alléluia. Dans ce même phénomène s'applique aussi à l'âme, qui, bien créée bonne et pure, fut plus tard influencée par la chair, devenant le moi, tout comme le péché pervertit le corps qui devient chair. De même, la chair alterne et domine l'âme qui devint le moi. Alléluia. Donc déjà, voici la source de ce qu'on appelle la chair pour venir à la croix, à la crucifixion. Car la croix que Dieu nous demande, Jésus nous a demandé de porter, c'est pour crucifier cette chair, cette nature, pour le détacher, amen, en nous. Plutôt le rendre inopérant. Alléluia. Pour le rendre inopérant. Amen. Donc je continue. Donc nous avons vu par le diable ce corps devient chair et c'est un corps qui est ravagé et endommagé. Maintenant Christ est venu par l'incarnation maintenant. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre cette nature. Alléluia. Jésus est venu maintenant nous donner maintenant la solution afin de crucifier cette chair. Le Seigneur Jésus est venu. Il est venu dans un corps comme moi et toi. Amen. Et il va amener cette nature à la croix, lui-même. Alléluia. Le Seigneur va monter sur la croix. Et vous savez, lorsque la Bible dit que comme Moïse éleva le serpent au désert, le serpent d'airain, le jour de la rébellion, et Dieu avait envoyé des serpents, et tous ceux qui étaient mordus par ce serpent mouraient. Donc la Bible dit que Dieu avait demandé à Moïse de mettre, élever une perche avec le serpent d'airain, afin que quiconque était mordu regardait à ce serpent d'airain, puisse retrouver la vie. Alléluia. La Bible dit de même que Jésus a été élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui, ce n'est pas un regard physique maintenant. Le serpent d'airain au désert de Moïse, c'était un regard physique de la foi. Il fallait avoir les regards fixés sur ce serpent. Et à ce moment, le venin mourait dans le corps de la personne qui était mordue. Alléluia. La situation se renversait. Mais Jésus maintenant, il ne demande pas de celui qui regarde à la croix. Il dit, afin que quiconque croit par la foi ne périsse point. Mais et la vie éternelle, qui nous a fait périr, c'est le serpent ancien, le diable également. Alléluia.
à l'image du serpent d'airain qui nous a mordu aussi, en quelque sorte, au jardin d'Éden. Et la Bible a dit que sa postérité écrasera sa tête en parlant de Jésus et l'Église. Donc Jésus maintenant est venu sur la croix, il a été levé aussi sur la croix. Mais sur la croix, le Seigneur Jésus a amené aussi le serpent, alléluia, pour écraser sa tête. Et c'est là que Jésus a crucifié la nature pécheresse qui était en nous. Il s'est fait pécher afin que nous devenions pour Dieu justice de Dieu. Donc Jésus est venu, il a pris une apparence dans mon corps physique, en chair et os, comme toi et moi, et il est monté sur la croix. Et il a crucifié la chair. Amen. Donc Jésus l'a fait d'une manière objective, afin maintenant que nous la rendions dans nos vies subjectives. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a montré maintenant qu'il est le deuxième Adam. Le premier Adam, il a amené la désolation. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Et par tous ceux et celles qui vont croire en lui deviendront cette génération également qui portera sa nature, la nature du deuxième Adam. Alléluia. Donc c'est pour cela que Jésus l'a fait. Il a rendu la nature pécheresse inopérante. De façon, nous maintenant, nous pouvons rendre aussi inopérant cette nature pécheresse en nous. Alléluia. Maintenant, Jésus l'a fait. Il nous a montré maintenant à nous de le faire également. Alléluia. Nous allons comprendre ça dans le livre de Romains, le chapitre 6, tout à l'heure. Amen. Vous savez, lorsque Israël est sorti en Égypte, ils sont passés à travers la mer, pour expliquer ça. Ils sont passés à travers la mer Rouge. La mer s'est ouverte, le peuple de Dieu est passé, Pharaon et son armée aussi. Amen. Donc, ce n'est pas le peuple qui a crucifié, qui a englouti, qui ont décidé d'engloutir Pharaon et son armée. C'est Dieu qui a décidé. Amen. Donc, c'est une image du baptême d'eau. Amen. Donc, le Seigneur nous montre par là que c'est Dieu qui s'est chargé. Alléluia. Donc, ils étaient passifs et non actifs. Mais maintenant, lorsque le peuple, maintenant, a traversé Pharaon et son armée ont été engloutis, ça c'est Dieu qui l'a fait. Mais maintenant, ensuite, le peuple, eux, sont passés dans le Jourdain. Alléluia. Ce n'est pas Dieu maintenant qui les a engloutis. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé. Donc le Jourdain représente maintenant le peuple à l'image des 12 pierres qu'ils ont pris au milieu du Jourdain, qu'ils ont retirées, et 12 pierres qu'ils ont remis à la place représentaient les 12 tribus d'Israël qui mouraient et qui était immergé par la mer du Jourdain comme l'ensevelissement. Ça, c'est leur choix, ça. Et ils l'ont fait. C'était leur part, ça, et non Dieu. Alléluia. Et pour cela, les 12 pierres sont devenues un monument. Amen. C'est pour ça que le baptême d'eau est un acte d'ensevelissement pour démontrer à Dieu que tu es prêt et engagé chaque jour à crucifier la chair lorsque tu te fais baptiser d'eau. Alléluia. J'anticipe déjà sur le baptême d'eau pour les prochains candidats. Amen. Donc Dieu fait une part, mais nous faisons notre part. Maintenant, Jésus a amené la chair sur la croix.
Il a crucifié. Et maintenant, il a démontré que lui, qui était né d'une chair comme nous, de la même nature que nous, il n'a pas péché. Donc, il peut maintenant nous ramener par la loi de l'esprit de vie qui nous anime à faire crucifier sa nature pécheresse en nous. Il a le moyen, lui. Mais il faut pour cela que nous mourons avec Christ et que nous suivons ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc Christ maintenant est venu par l'incarnation, il se revêt de cet homme afin de l'amener à la croix et d'écraser par la mort celui qui tenait le pouvoir de la mort. Alléluia. Comme nous dit le livre de Hébreux 2 et chapitre 14. Notez, nous n'allons pas le prendre. Amen. Nous allons prendre Romains le chapitre 6 pour comprendre ce que je vous expliquais. Romains 6, à partir du verset 1, où Paul nous dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » On enseigne aux chrétiens dans certaines églises où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est un fait. Ça veut dire implicitement, on les dit, vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez, parce que la grâce de Dieu est toujours là. Ce n'est pas ça que ce verset veut dire. Alléluia. Ça, c'est prendre un texte hors contexte pour faire un prétexte. Alléluia. Ce n'est du tout pas ce que Paul dit. Amen. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Paul dit, tirez sans tête en nous. Loin de là. Détrompez-vous. C'est ça que Paul veut dire. Amen. Détrompez-vous. Il parle aux chrétiens. Comment vivions-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Alléluia. Nous sommes morts au péché. Mais comment nous sommes morts au péché? Il nous l'explique par la suite. Amen. Détrompons-nous. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. En sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Sachant, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, mon vieil homme, celui que Dieu dit de crucifier. Comment il a été crucifié avec Jésus sur la croix? Il vit toujours en moi. Alléluia. C'est que Jésus l'a fait. Mais nous, nous devons la rendre effective. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Jésus l'a déjà fait. Comme je disais, que quand Pharaon et son armée passaient dans la mer Rouge, c'est Dieu qui s'est chargé d'ensevelir. Mais lorsqu'ils sont allés maintenant dans la mer du Jourdain, c'est eux. Alléluia. Jésus a fait sa part dans le baptême. À travers le baptême, nous mourons avec Jésus. Mais lorsque nous sommes ressuscités, comme Israël est sorti à travers la mer Rouge, nous devons vivre maintenant pour crucifier la chair et amener effectivement ce que Jésus a déjà fait pour nous sur la croix du calvaire. Amen. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Paul veut dire comme ça, considérez que le vieil homme en nous, bien qu'il est là et vivra, il est toujours là jusqu'à la rédemption de notre corps, il ne sera pas là. Considérez comme il n'est pas là. Ça veut dire, sans cesse chercher à le crucifier, à le faire taire, à le rendre inopérant. Et la manière de faire le vieil homme être inopérant, c'est le crucifier. Alléluia. C'est crucifier la chair. Ne pas faire ce qu'il veut faire, c'est ça que ça veut dire crucifier. Ne pas faire ce qu'il veut faire, ne pas dire ce qu'il veut dire, ne pas nous engager où qu'il veut nous engager. C'est ça que ça veut dire.
Amen. Crucifiez le vieil homme. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Dans le grec, c'est inopérant. Alléluia. Beaucoup ont pris ça. On m'a enseigné ça avant aussi. Que ce verset veut dire détruire le péché. Et c'est pour cela que des pasteurs ont enseigné à leur brebis que depuis son Christ, le péché en eux est détruit. Alors lorsque le chrétien voit qu'il y a une tendance à pécher, c'est normal. Vous savez, pour un chrétien, il n'y a rien de mal à être tenté. C'est humain, c'est normal. Parce que la nature pécheresse n'est pas éradiquée en nous. Ça, c'est normal. Amen. Mais ce qui est anormal, c'est donner les désirs et livrer nos membres comme au service de ces satisfactions. Ça, non. Alléluia. Nous devons résister. Amen. Et ce qui n'est pas normal, c'est nous laisser entraîner par le péché, les désirs et les tentations de la chair. C'est ça qui n'est pas normal pour Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous avons été crucifiés avec Jésus. Le vieil homme a été crucifié. Afin que le corps du péché soit inopérant en nous. Il ne faut pas y opérer encore. C'est la nature divine en nous qui doit opérer maintenant. Et non la nature du vieil homme qui est sorti depuis Adam. Cet homme est vieux. On l'appelle le vieil homme. Amen. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Aux chrétiens que Paul parle là. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Alors Paul explique que si nous sommes morts en Christ, ignorez-vous que c'est nous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis en sa mort par Christ, afin que le vieil homme soit crucifié. Amen. C'est pour cela. Et le baptême d'eau nous démontre à Dieu que nous sommes prêts à porter notre croix et à crucifier le vieil homme chaque jour dans nos vies lorsqu'il le faut. Quand tu te fais baptiser d'eau, voici l'objectif premier de cela. Tu le démontres par l'image qui est le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau ne doit pas être une image, mais une réalité. Parce que beaucoup de chrétiens ont passé par le baptême d'eau et c'est devenu l'image et non la réalité dans leur vie. Parce que je dis, yo, depuis que baptisé d'eau sauvé, yo enseigné nous comme les catholiques ont enseigné nous. Leur baptisé Timon nous sauvé. La régénération baptismale. Et aujourd'hui, on prend cette doctrine dans des églises évangéliques. La régénération baptismale. On est né de nouveau par le baptême d'eau. Non. On est de nouveau par l'Esprit de Dieu. Pas par le baptême d'eau. Alléluia. Mais ça, j'explique ça dans le cours de baptême. Je ne vais pas. Bien que ce passage parle du baptême d'eau, mais j'explique ça en détail, les cours du baptême d'eau. Amen. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, n'oubliez pas le verset et 5 nous dit, afin que nous soyons plus esclaves du péché. Ne savez-vous pas, verset 16, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il parle aux chrétiens du péché qui conduit à la mort. Amen. Paul est sérieux, frères et sœurs. Il dit aux chrétiens, soit du péché qui conduit à la mort. De quelle mort Paul parle? Pas la mort physique, parce que Paul c'est en confusion avec la parole lui-même. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois physiquement. Il ne parle pas de mort physique deux fois. Amen. Parce qu'avant il a dit vous étiez mort dans Éphésiens 2. Vous étiez mort avant de connaître Christ. Et spirituellement, nous étions coupés de Dieu. Alors il dit si maintenant nous vivons dans le péché, nous sommes esclaves du péché, nous retombons dans le penchant de la mort spirituelle. Mais ce n'est plus la mort spirituelle, c'est la deuxième mort qu'on appelle la mort éternelle. Aux chrétiens qu'il parle. Et frères et sœurs, Dieu hait le péché. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal.
Le proverbe dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Parce que les yeux de Dieu sont purs pour regarder, sont trop purs pour regarder le mal. Regardez, lorsque Adam et Ève, avant Adam et Ève péchaient dans Genèse, vous allez lire que la Bible dit chaque matin, l'Éternel venait sous la fraîcheur du matin parler à Adam et Ève. Chaque matin, sous la fraîcheur du matin, le jour qu'ils ont péché, Dieu continuait de les parler quand même, mais du haut des cieux. Du haut des cieux. Vous avez remarqué, vu la distance que le péché a mis entre l'homme et Dieu. Dieu parlait à Adam et Ève chaque matin dans la fraîcheur du matin. Dans le jardin d'Éden, ils descendaient. Lorsqu'ils ont péché, Dieu les parlait toujours, mais du haut des cieux. Et c'est pour cela, Ésaïe 55 nous dit, de même que les cieux sont éloignés de la terre, c'est ainsi que sont mes pensées et mes voix, comparées à vos voix et vos pensées. Et il y a un fossé qui s'est fait qu'on ne peut pas combler. C'est Jésus qui est venu combler ce fossé, qui a ramené la présence du Père en nous maintenant. Et il a mis l'arbre de la connaissance du fruit de la vie éternelle en nous maintenant, par Jésus. Le Père maintenant est en nous et chaque matin, il renouvelle sa bonté en nous parce que maintenant, l'arbre du fruit de la vie éternelle, Jésus l'a ramené en moi, en toi, dans notre esprit. Et c'est là qu'on peut adorer, communier avec le Père en esprit, en vérité, dans notre esprit. C'est là l'arbre de vie est revenu par Jésus. Alléluia. Il est monté sur la croix. Il a crucifié le vieil homme afin de rendre le corps du péché inopérant pour qu'on puisse avoir la capacité et le devoir de faire taire à la chair lorsqu'il veut reprendre vie. Alléluia. Il n'est pas mort, hein? Il est vivant. Ce que Dieu nous demande, c'est le rendre inopérant. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à l'agonie? Il n'est pas mort, il a l'agonie, à n'importe quel moment il reprend. Eh bien, ça veut dire que nous devons faire la chair demeurer dans l'agonie. Alléluia. Et vous savez, la crucifixion était prévue depuis l'Antiquité de façon que le crucifié ne meurt pas subitement. Lorsqu'on crucifiait quelqu'un, c'était une des sentences les plus sévères qui existaient avant. Le crucifié pouvait rester des jours sur la croix avant de mourir. Parce que c'était prévu que le crucifié meure par suffocation. Il ne mourrait pas tout de suite. Il pouvait rester des heures, voire des jours. Alléluia. Dans la chair, c'est pareil. Il ne va pas mourir. Mais nous devons le retirer toute résistance, l'affaiblir. Par la croix. Alléluia. Le crucifié. Il mourra en définitive le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Alléluia. Lorsque notre corps sera glorifié, il n'y aura plus de chair. Parce que nos corps seront comme Dieu avait donné et voire plus Adam et Ève au jardin d'Éden. Amen. Après la mort et l'ensevelissement, il y a la résurrection. Alléluia. N'oubliez pas ce que Dieu avait dit à Israël dans le livre de Nombre 33, verset 55, noté. À Israël, il avait dit, si les nations que vous avez laissées parmi vous, parce qu'ils ont triomphé les nations à Canaan. Et là, il a dit, les nations que vous avez laissées demeurer parmi vous. Ils seront des épines dans vos yeux.
et des aiguillons sur vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays. Alléluia. 8 années après, ils ont laissé effectivement ces nations les suivre. Dieu les a rappelé ça dans le livre de Josué. Je crois le chapitre 23. Et il a dit la même chose. Maintenant, il a dit, quand vous avez laissé ces nations, vous êtes alliés avec eux, vous avez fait des mariages avec ces nations. Maintenant, sachez que moi, l'Éternel, je ne continuerai plus à chasser ces nations devant vous. Amen. Un moment donné, Dieu fait, mais un moment donné, c'est nous à faire. Jésus a amené notre nature sur la croix. Maintenant, il nous demande de crucifier sa nature. Il a fait pour nous et nous invite maintenant à le faire. Si nous ne voulons pas le crucifier, nous refusons, Dieu nous dira la même chose. Parce que ce sont les habitants que nous avons laissés et qui sont là. Le beau pays de Canaan, c'est Jésus qui vient moi, c'est Jésus qui vient toi. Donc si nous laissons les principes du monde comme des habitants, si je peux dire, l'Éternel ne va pas le faire pour moi, il ne va pas le faire mourir pour toi, parce qu'il nous a donné le moyen. Alléluia. Donc cette parole aussi s'applique à nous aujourd'hui. Sachez que l'Éternel, ton Dieu, ne va pas combattre tes ennemis que tu as laissés. Alléluia. Ces paroles sont souveraines. Donc l'homme ressuscité devient un avec Jésus. Nous devenons un en esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Et à ce moment, nous pouvons porter notre croix, comme il nous l'a dit dans Luc chapitre 9 et verset 23. Dès que notre chair se détache de la croix, nous découvrons que Satan vit de nouveau. Alléluia. Dès que notre chair se détache de la croix, nous allons découvrir que le diable vit de nouveau. Ou son système de vie vit de nouveau, veut vivre en nous. Il faut que la chair soit jamais détachée de la croix. Sans quoi nous allons réaliser que le diable encore veut faire un saut. Essayer de nous retenir. Il ne faut jamais la chair descendre de la croix, mon frère, ma soeur. C'est sa destination, la croix. C'est pour cela que Jésus nous a dit de nous charger de notre croix, celui qui veut être mon disciple. Chaque jour qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus par la croix, c'est renoncer. C'est crucifier la chair sans cesse, les mauvais désirs. Alléluia, pour ne pas obéir à ses injonctions. Donc maintenant, c'est la régénération qui prend place pour cela. Amen. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, aux chrétiens. Que Paul s'adresse également à nous, au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc Jésus nous instruit à nous dépouiller. C'est pour ça que Jésus nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pour nous apprendre à nous dépouiller. Paul le confirme là. Alléluia. Comment, par rapport à votre vie passée, c'est de ça que tu dois te dépouiller, mon frère, ma soeur. C'est de ça que je dois me dépouiller par rapport à notre vie passée.
Alléluia. Si tu veux savoir ta vie passée, ce que Paul entend par vie passée, va dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 11, entre autres, qui n'est pas exhaustive. Alléluia. Tu vas voir la liste qui dit que des gens qui commettent ces péchés ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Amen. Par rapport à notre vie passée, du vieil homme, alléluia, ce vieil homme, nous devons renoncer, apprendre à nous dépouiller par rapport à nos vies passées, du vieil homme. Ce vieil homme, nous l'avons vu, le vieil homme, c'est qui? C'est celui qui vit avec une loi, la loi du péché et de la mort, qui rend son âme captive et lui veut faire répondre favorablement à l'injonction de ses mauvais convoitises, impulsions. Amen. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Voici ce que Jésus nous a instruit à faire, à nous dépouiller la manière nous vivions avant, selon le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau à l'image créée selon Dieu dans la justice et la sainteté pour la vérité. Et Paul a dit la même chose dans Colossiens 3, la même chose. Il dit, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau dans la connaissance, du renouvellement de la connaissance à l'image de celui qui nous a créés, Jésus-Christ. Amen. Le vieil homme, nous devons le crucifier. Alléluia. Dans le verset 22, nous voyons, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Paul dit le verset 22, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Puis dans le verset 24, nous devons nous revêtir. Donc nous comprenons, tu ne peux pas te revêtir avant de te dépouiller. Tu ne peux pas te revêtir si tu ne te dépouilles pas au préalable. Il y a un ordre. Il n'a pas dit de nous revêtir de l'homme nouveau et de nous dévêtir ensuite du vieil homme. Tu dois te dévêtir du vieil homme. Plus nous allons nous dévêtir du vieil homme, plus nous allons revêtir l'homme nouveau. Plus la chair va être inopérante, plus la justice de Dieu va être opérante en nous. Plus la lumière va s'effacer, s'assombrir en nous, plus la lumière va s'éclaircir en nous dans nos vies. Alléluia. Nous devons nous revêtir du nouvel homme, dont nous voyons ici l'œuvre de la croix et de la résurrection. C'est, voici ici l'œuvre de la croix et de la résurrection. Se dépouiller du vieil homme résulte de l'œuvre de la croix. Amen. Alors que se revêtir du nouvel homme est le produit de la résurrection. La Bible, Paul nous a dit dans Romains 6, de même Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, de même nous revivions pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Plus tu es mort, plus je suis mort, plus je vis après. Plus tu es crucifié, plus tu es ressuscité. Alléluia. Pour savoir comment un chrétien est vraiment ressuscité avec Christ, par l'ensevelissement, par le baptême à sa mort. Alléluia. C'est la manière que nous allons activer
le vieil homme à la croix. Alléluia. Plus nous allons mourir en Christ, à nous-mêmes, plus nous allons ressusciter en Christ également. Et plus nous allons ressusciter en Christ, plus nous allons refléter la justice de Christ et de Dieu. Alléluia. Il faut mourir pour vivre la vie de Dieu. Il faut faire mourir les œuvres de la chair, les tendances, le vieil homme, le crucifié. Il se corrompt dans les convoitises trompeuses, la Bible dit. Nous devons faire mourir le vieil homme et vivre l'homme nouveau. Alléluia. Qui se renouvelle pour la vie de jour en jour. Donc c'est le produit de la résurrection, se revêtir du nouvel homme. Quand la Bible parle du nouvel homme, c'est la nature divine qui agit en nous. Je le répète, quand quelqu'un vient au monde, il vient avec la nature pécheresse en lui. Amen. Mais quand quelqu'un vient en Christ, il est régénéré, passé par la nouvelle naissance, ça veut dire il reçoit l'Esprit de Dieu qui habite en lui, il reçoit une deuxième nature, la nature divine qui vient de Dieu. Et cette nature vient par la présence du Saint-Esprit qui l'habite. C'est l'Esprit de Dieu qui amène cette nature divine en nous et qui régit la nature divine par la loi de l'Esprit de vie qui est gérée, orientée par l'Esprit de Dieu lui-même qui vit dans notre esprit. Alléluia. Au jardin d'Éden, c'était le corps, l'âme et l'esprit. En Christ, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Le corps ne doit plus dominer l'âme et l'âme ne doit plus dominer l'esprit. L'esprit doit dominer l'âme et l'âme dominer notre corps. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit après, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour parvenir à l'injustice, maintenant livrez votre membre au service, comme esclave au service de la justice de Dieu pour arriver à la justice. Et il y a un renversement qui s'est fait maintenant. Amen. Nos membres qui étaient livrés pour agir en mal sous la tyrannie de la loi du péché de la mort qui venait du diable, maintenant nous ne devons plus être esclaves de cela. Paul a dit, afin que le corps du péché ne puisse point être inopérant, de sorte que nous ne devenons plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela. Maintenant, avec la nature qui vient de Jésus, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous avons deux natures. Mais la première n'est pas là, éradiquée, elle n'est pas morte. Malgré habité par l'Esprit de Dieu, nous restons avec la propension de pécher et l'assentiment de faire le bien. Ça ne change pas. Dieu ne retire pas ça, il ne touche pas ça. Parce que si tu es attiré, il ne peut pas éprouver sincérité en nous. Nous ne pouvons pas pécher. Tout ça a été dit, oui, amen. On n'aurait jamais péché. Dieu n'aurait jamais testé ma sincérité et ma foi de marcher délibérément, de le suivre délibérément. Alléluia. S'il a éprouvé Adam et Ève, il doit nous éprouver. S'il retirait la nature pécheresse, on n'aurait jamais péché. On n'aurait jamais péché. Dès qu'on s'est sauvé, on aurait eu notre salut garanti. Clairement. Non, Dieu éprouve toujours. Le salut, c'est une grâce. Amen. La grâce nous invite à faire quoi que ce soit. La grâce de Dieu nous demande à faire quoi que ce soit. Elle est donnée. Amen. Mais la foi nous invite à faire des choses. Ça, c'est autre chose. La grâce de Dieu nous a sauvés sans rien nous demander. Mais pour accepter cette grâce, il faut l'accepter par la foi. Et la foi nous demande à faire des choses. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Adam et Ève ont été mis à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve. Et pendant les 1000 ans, ceux qui seront sauvés aussi vont être mis à l'épreuve. Alléluia. Ils vont être mis à l'épreuve. Malgré qu'ils vont vivre avec Jésus en chair et os, pendant 1000 ans, la Bible dit, sur la terre, ils seront éprouvés au dernier moment.
La Bible dit Satan sera relâché pour les éprouver. Et malheureusement, vous vous imaginez, frères et sœurs, pendant 1000 ans, des individus qui vont vivre presque à 1000 ans, parce que Jésus va retirer la férocité des animaux pendant les 1000 ans, et la mortalité va presque ne pas exister, la Bible dit. Ça veut dire que les gens qui vont vivre pendant les 1000 ans sur terre vont arriver presque à 1000 ans. Imaginez-vous des milliards et des milliards d'individus qui vont se faire pendant ces 1000 ans. Et quand même ça, la Bible dit, il y a que vrai Jésus qui est Dieu, si la terre, malgré ça, il y a que les seigneurs séduits par Satan. Parce que la Bible dit, au terme de 1000 ans, Satan sera relâché de son abîme, très peu de temps pour séduire. Et ils seront comme les grains de sable. Ils seront quand même séduits. Parce que Dieu va les éprouver pour voir vraiment si, quand même, ils voient Dieu en chair et os, ils qui obéissent. Parce que beaucoup ont vu Jésus en chair et os, sa première venue. Il y a eu 120 disciples seulement au jour de la Pentecôte. Et des milliers ont vu Jésus en chair et os. Ils n'ont pas cru en lui. Ce sera la même chose. Pendant les 1000 ans, beaucoup vont croire au piège du diable. Amen. Ce qui sera dommage pour eux. Nous, on n'a pas vu Jésus en chair et os, on a cru par la foi. Mais eux, ils vont voir Jésus en chair et os, chaque jour devant eux. Mais la bonne nouvelle, ce jour-là, si tu combats le bon combat, je serai là et tu seras là avec Jésus pendant les 1000 ans à les enseigner. C'est l'objectif des sauvés, frères et sœurs. Régner avec Jésus pendant les 1000 ans. Sur la terre, nous allons régner avec Jésus parce que nous serons déjà ressuscités pour ceux qui sont déjà partis, comme notre sœur Brigitte. Elle est partie, mais ce jour-là, elle sera ressuscitée. Nous la reverrons. C'est l'espérance que nous avons lorsque nous mourrons en Christ. Alléluia. Pour ceux qui ne seront pas morts, quand Jésus reviendra, nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia. Et nous allons régner pendant 1000 ans avec Jésus. La Bible dit le trône de Jésus sera à Jérusalem. La Bible nous donne, frères et sœurs, la Bible nous donne déjà un avant-goût. Le Seigneur nous dit pas tout, nous révèle pas tout. Lorsque le renouvellement de toutes choses, qu'est-ce que, après l'éternité, après le jugement éternel, qu'est-ce qui se passera? Mais l'Éternel nous donne, nous fait goûter un avant-goût. Amen. Il nous dit que Jésus, son trône sera à Jérusalem. C'est là les nations viendront le glorifier, obéir, lui donner gloire, ainsi de suite. Et Jérusalem va changer de nom. Son nom sera Yahvé Shama. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Le nom de Jérusalem sera Yahvé Shama. En hébreu, il veut dire l'Éternel est ici. Alléluia. L'Éternel est ici, Yahvé Shama. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Ce sera le nom de Jérusalem pendant les 1000 ans. Lorsque les nations vont monter, ils sauront l'Éternel est ici. Alléluia. C'est pour cela que les Arabes perdent leur temps. La Palestine reviendra à Jérusalem. C'est marqué des milliers d'années dans la Bible. Ils se battent pour rien. La Palestine, c'est prophétisé, reviendra à Jérusalem. Au temps marqué, ils ne pourront rien contre ça. Alléluia. Et même si l'Antichrist, au préalable, va amener un semblant de paix entre Juifs et Arabes. Alléluia. Mais ce sera qu'éphémère, parce que l'abbé dit, lorsque les hommes iront paix et sûreté, une grande ruine soudaine les atteindra. Alléluia. Ce sera pour un moment. Quand cet homme viendra, les 3 ans et demi, l'abbé dit, il viendra avec une branche d'olivier pour montrer qu'il est un pacificateur. Mais ce sera un loup déguisé en brebis. On comprendra que c'est vraiment le Messie, l'homme qui est venu vraiment pour la paix. Mais après les 3 ans et demi, il viendra avec l'épée. Il viendra faire la guerre. Alléluia. Et on saura après qui il était. Et les Juifs même vont se reconnaître que ce n'était pas leur Messie. Les Juifs vont l'accepter probablement comme leur Messie pendant les 3 ans et demi. Jésus les avait avertis. Je suis venu, vous m'avez rejeté, mais un autre viendra en mon nom, vous allez l'accepter.
Ils vont l'accepter comme leur Messie, l'Antichrist, les Juifs. Et l'Antichrist va permettre aux Juifs de construire un troisième temple pour bien tromper eux. C'est marqué dans la Bible, tout ça. Le temple a été détruit en 70, il sera rebâti une troisième fois par l'Antichrist. Il va permettre à Israël de rebâtir le temple une troisième fois. Alléluia. Cette reconstruction se fera pendant les trois premières années et demie du gouvernement de l'Antichrist. Alléluia. Et ça se fera vite maintenant. Pas des années comme le temple de Salomon. Parce qu'au temps du temple de Salomon, il n'y avait pas d'aiguille pour couler le béton. Mais aujourd'hui, ça va vite. Donc le temple sera fait moins d'une année. Alléluia. Et ce temple deviendra le culte de toutes les abominations qui puissent exister sur la terre à ce moment. Alléluia. Parce qu'il va ramener, après trois ans et demi, des démons et toutes sortes de cultes païennes, parce qu'il y a une seule religion à cette époque. Et c'est après Israël va se rendre compte qu'ils étaient trompés. Lorsque cet homme va rentrer dans le lieu très saint et dire qu'il est Dieu. Bon, j'ai pu accepter ça. On va rentrer dans le lieu très saint ou pas souverain sacrificateur et quoi dire au Dieu, les Juifs ne vont pas l'accepter. Et à ce moment, ils seront persécutés. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ce matin. Là. Et nous allons vraiment, dimanche prochain, parler comment porter vraiment cette croix. J'ai voulu vraiment faire cette parenthèse sur la chair, le moi et le vieil homme. Amen. Quand demain tu vas entendre parler de ça, tu sauras qu'est-ce que la chair, pas ton parotimo de ton corps. Ça, dans le grec, c'est le mot soma. Mais le système irrégénéré qui anime notre chair et qui est dans notre chair s'appelle Saoz. Alléluia. Tu sauras qu'est-ce que le moi et qu'est-ce que le vieil homme. Alléluia. Donc nous allons nous tenir debout pour remercier notre Dieu. Mettons-nous debout, fermons les yeux. Père très saint, nous élevons ton saint nom. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole ce matin, que tu nous as communiqué ce matin, mon Dieu, par ton Esprit Saint. Quand nous sommes dans les temps de la fin, ce temps que tu avais prophétisé, Seigneur, qui n'est plus une prophétie, mais une réalité de nos yeux, Seigneur. Tu as dit beaucoup abandonneront la foi. Tu parles à ton peuple dans l'Église pour s'attacher à des doctrines de démons et des esprits séducteurs, mon Dieu. Tu as dit, à cette époque, beaucoup appelleront le bien mal et le mal bien. Et même ceux pensant donner la mort à leur frère comprendront rendre une action de grâce de ta part au Seigneur. On entend ce principe déjà, Seigneur, à un état, Seigneur, miniature, minime dans le monde déjà, Seigneur. Car tes paroles, elles sont vérité. Elles sont justice, Seigneur. Et que le monde, qu'il croit ou pas, n'affaiblira pas, Seigneur, tes promesses à l'égard de leur incrédulité. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, je te remets, Seigneur, la vie de chacun de nous ici dans ce lieu, du plus petit au plus grand, Seigneur. Tous ceux et celles, Seigneur, qui sont déjà passés par l'alliance ratifiée par toi-même, par ton sang, Seigneur, qui se sont engagés à porter leur croix, Seigneur, comme tu le veux. Car c'est en toi, ta parole dit, nous avons été instruits à nous dépouiller de la manière que nous vivions autrefois, du vieil homme, par les convoitises trompeuses
qui agissait dans nos membres. Tu nous demandes d'être renouvelés, Seigneur, dans l'esprit de notre intelligence, dans ta justice et ta sainteté pour la vie, mon Dieu, pour la vérité. Apprends-nous, Seigneur, à reprendre, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, parmi nous, qui avaient pris, Seigneur, cette injonction, ce commandement à la légère, Seigneur, de reprendre notre foi, Seigneur, et de continuer d'aboutir la course jusqu'à la ligne d'arrivée, Seigneur. Car cela, Seigneur, tu nous donneras la couronne de vie à ceux qui t'aiment, à ceux qui t'obéissent, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, ma prière est que chacun de nous puissions apprendre, Seigneur, avec toi, à crucifier la nature pécheresse, le vieil homme qui se corrompt, Seigneur, par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Apprends-nous, Seigneur, à ne plus être esclaves et nos membres ne soient plus livrés comme au service, comme instrument de notre chair pour satisfaire ses besoins ou ses convoitises, Seigneur. Mais que chacun de nous, Seigneur, nous puissions livrer nos membres, Seigneur, toujours continuer à être des instruments esclaves de ta justice, car nous étions avant esclaves des impuretés et du péché de l'iniquité. Mais maintenant, nous te disons, Seigneur, que nos membres, nous les mettons, Seigneur, à ton service, Seigneur, au service de ta justice, et nous sommes heureux, Seigneur, d'être esclaves de ta justice, mon Dieu. C'est à cela que nous te glorifions, Seigneur, et c'est à cela que tu nous appelles, mon Dieu. Merci, Seigneur, d'être monté un jour comme précurseur sur la croix du calvaire, afin de crucifier le vieil homme et nous montrer et démontrer, Seigneur, qu'en ayant mort enseveli avec toi, Seigneur, que nous puissions également manifester la justice du Père, Seigneur, qu'il veut en chacun de nous. Seigneur, rattrape ceux et celles qui sont déjà dans le monde, qui ont compris, Seigneur, que la nature pécheresse était éradiquée lorsqu'ils t'ont accepté. Et en luttant, Seigneur, incessamment, ils ont défini qu'ils n'avaient pas reçu ton Esprit Saint. Mais Seigneur, retire cette illusion en eux et ramène-les, Seigneur, dans ta grâce. Ramène-les, Seigneur, dans la bergerie, dans ta bergerie, Seigneur, afin qu'ils puissent encore venir brouter tes délices éternels, ton ver pâtural, Seigneur, les restaurer encore et leur donner encore un souffle, un rebond, Seigneur, pour marcher encore dans ta grâce. Les retirer de la voie de la mort, de la condamnation, mon Dieu, de cette pente d'inclinaison qui vient de la méchanceté du diable, mais les gagner encore par ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Que tu les couronnes, Seigneur, c'est nos prières ce matin, mon Dieu. Envoie-nous, Seigneur, dans ta paix, dans la confiance de ta parole et de tes promesses, Seigneur, à notre égard. Nous te remercions, Père, nous te bénissons, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons...